Il achète une cocarde. Mais qu'est-ce que tu dis? Achète-moi une cocarde. Tu veux acheter une cocarde avant que je passe le conseil, toi? Alors. Le suivant! Ben mon vieux, à 14 paris, t'es sûr d'être pris. Ah, ouais, je commence à avoir l'habitude, c'est la deuxième fois que je suis à journée. Dis, il faut se déshabiller ici? Ouais. Ah oui? Ah oui. Faut déshabiller? Déshabillez-vous. Mais moi, il faut se mettre tout nu devant tout le monde. Allez, allez. Mais je me suis jamais mis nu devant personne, moi. Oh, oh, ici, vous ne risquez rien. Allez, dépêchez-vous. Tiens, dis-moi un peu la veste, là. Le chapeau, elle n'abîme pas. Bon, service armé. Au suivant. Service armé. Mais alors, pour l'arrivée au corps, alors? Ah, bah t'en fais pas, on t'attend à la gare, et hop, on t'embarque. Ah oui, comme ça, on t'embarque, là? Oh, ça, c'est formidable, alors, qui aurait dit ça? Boîte à clous, Ignace! Mais, boîte à clous, on appelait boîte à clous. Ignace, boîte à clous? C'est moi, c'est moi, c'est moi, excusez-moi de passer le nom, mais on m'a appelé. Monsieur, monsieur. Ah! Mais qu'il est fou, le gaillard! Il y a le gendarme qui l'a monté sur le pied, aussi. Oh, on m'a fait mal, vous savez. Oh! Ah! Avec Tato! Ah non, gendarme, écoutez, où êtes-vous? 1m76. Vous avez bougé? Et non, gendarme, j'ai grandi. Allez, oh, c'est pas. 73 kilos. 73 kilos. J'ai augmenté de 300 grammes. À Courbet-les-Chines, il y avait le pharmacien, là-bas, vous mettez une pièce ou 16, là. Ça va, pas. Ça va. Non, je vous dis ça. Et parce que tout seul, ça se passait pas. Poitrine, 85. Poitrine, 85. Prenez pas celui-là. Un peu maigre. Une aguerre de poitrine pour sa taille. C'est ma sœur qui a tout pris. Idiot. Ah bon? Allez, prenez-lui son souffle. Souffle? Oui, souffle. Oui. Souffle. Tenez, faut souffler là-dedans. Ouais. Ah, vous ne regardez pas comme ça. Hein. Dix secondes, si, hein? Si vous me regardez, alors c'est fini. C'est fini? C'est fini, c'est fini. C'est fini. Je commence. C'est fini. Je commence. Je souffle. Ah, ah, c'est vous. C'est pas moi, c'est le machin. Qui m'a fiché un pyro pareil? Mais c'est pas le pyro, c'est... Oui, il est parti. Oui, enfin. Il est parti, alors... Le chatouillé avec la barre. Le chatouillé avec la barre. Allez, le chatouillé. Allô? Ça aspire, ça, hein? Bon, service armé. Service armé? Merci. Aïe, je suis bon. Ah, ben alors, tu me l'achètes, cette coquette, hein? Je comprends, maintenant que je suis pris, tu penses. Hein? Une belle, hein? Une belle? Oh, si vous m'envoyez dans les oies, vous dites. Avec les mocos, oh, 14 euros, comme ils ont fait, ta coquette? 20 francs. Comment? Tiens, voilà 10 francs, hein? T'es assez. Merci. Allez. La montée d'en bas ici, monsieur. Merci, monsieur. La montée d'en bas. Ah, oui, pas de sorti que vous arrivez. C'est-à-dire que j'ai pas pu venir avant. Et pourquoi ça? Et parce qu'en arrivant à la gare, il y avait une voiture. Alors il y a un petit qui m'a dit, montez monsieur, montez monsieur. Alors je suis monté dans la voiture et puis c'est la voiture des nerveux. La voiture de nerveuse des bains. Alors il y avait un type, une femme qui me regardait, qui me faisait. Et puis un homme. Puis
qu'il y avait un chef d'orchestre qui faisait des machins. Alors il croyait que moi aussi j'avais des tics. Mais ça va. J'ai vu parce que les tics m'ont été ajoutés. Ça va, assez. Assez. Assez, oui. Merci, monsieur. Il n'y a pas de monsieur ici. Non. Mon lieutenant. Platon. Emmène-moi au bureau du major. Vive le Québec. Présent. Carl Olivier. Présent. Murer. Jules. On a enlevé le ceinturon, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la pagaille, là. Il y a un économe, là. Où est-il? Il s'est habillé ce matin. Il est descendu, chef. Bien. Chef, il s'appelle Boitaclou Ignace. Boitaclou Ignace. Présent. Ah, pardon. C'est vous, Ignace, hein? C'est moi, oui. Et d'où venez-vous, là? Je suis mon sabre. Oui. Sabre. Ignace Boitaclou. C'est moi. Joli nom. Oh là là. Joli nom. Vous avez le fatal deux fois, hein? Et 4 jours de boîte et 8 jours de clou. Hein? J'expliquerai pourquoi. Oui, c'est ça. Pas Ignace. C'est un homme comme les autres, Ignace. Tout le monde va s'appeler César ou Napoléon, mon vieux. Vous allez encore me connaître comme des imbéciles comme vous êtes, là. C'est vrai, ça. Lorsque je suis né, mes parents s'étonnaient. Firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me bat comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. J'aurais pu, attention, m'appeler sans prétention machin, chose ou bien d'artampion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, il me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gars. Je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un cochon. Hé, Philibert. Ouais. Tu pourrais pas m'aider au lieu de me regarder? Écoute-moi, tantôt je prépare l'arbre, alors je me réserve. Oh, gros fainéant bon. Eh ben, mon garçon, ne vous gênez pas. Continuez. Que tu m'as fichu des pierrots pareils. Vous allez tromper. Je vous préviens. C'est la dernière fois. À la première incartade. Ma colonelle, moi donne mes 8 jours. Oh, 8 jours, oh, 8 jours, oh, 8 jours de boîte, oui. Vous avez compris? Demi-droit droit. Que je ne vous demande pas. Non, écoutez, cher ami, vous avez vraiment une drôle de façon de commander les ordonnances. Il est pourtant gentil, ce garçon. Eh bien, j'espère que vous allez me le flanquer à la porte. Mais à vos ordres, cher ami. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens du quartier et je vais faire un tour à bicyclette. Oh. C'est moins fatigant que le cheval. Quel homme! Quel homme! Annette, préparez-moi mon costume de toile, n'est-ce pas? Bien, mon colonel. Merci. Mon cher, félicitations. Quelle exactitude! C'est la politesse des amants, elle. Ah oui. C'est vrai. Vous êtes toujours aussi ravissante, troublante, captivante. Assez de galanterie. Oui. Dites-moi, hein? Et vous allez voir le docteur? Le docteur, pourquoi faire? Je ne suis pas malade. Tof! On dit ça, et puis depuis 20 ans, je vous vois à Vichy, à propre Séville, à Vitaine. Vous ne pouvez nier que vous êtes malade. Je le nie. Ayez confiance en moi, et vous serez guéri. Je serai guéri ou je le crèverai, ça ne perd rien. Eh bien, on l'a trop venu. Oui, je tiens. Oh, catastrophe! Dis, il y en a souvent des revues comme ça? Ah, mon pauvre vieux! On voit tes bleus, hein, t'as pas fini d'en baver! C'est toi qui couches là? Oh, penses-tu, moi!
Je viens ici par hasard, sans ça, j'ai une chambre en ville. Mmh. Moi, je couche chez le colon. Ah, tu couches... Oui. Chez le colonel? Dans ce les gars, la pitaine. C'est vous qui sifflez? Oui, je sifflais un peu. Non, mais il me faudra une armoire parce que vous voyez, mon capitaine... Ça va, mon ami, ça va. Vous me raconterez vos histoires une autre fois. Oui. Lieutenant. C'est mal. Je sifflais un peu parce qu'il y avait le mousson. Vous, je vous aurais à l'œil. Ouais, vous, ça va. Allez, on m'avait déjà dans le nez. Vous, boîte à clous? Ignace. Oui, Ignace. Et vous sifflez encore, hein? Hein? Eh bien, je vous attends immédiatement dans mon bureau. Je vous expliquerai pourquoi. Ah, ah, ah. Ouais. Repos. C'est pour l'armoire, hein? Oui, mon pote, c'est pour l'armoire. À moins que ce soit pour te mettre dedans. Dans l'armoire, hein? Oui. Dans l'armoire. Et vous, boîte à clous, Ignace? Et vous sifflez? Je vous attends dans mon bureau immédiatement. Je n'ai jamais vu un désordre pareil. Ah, oh, mais pas que ça. Très mal tenu. Adjudant, vous prendrez les arrêts pour deux jours. Foyer, voici une note pour vous. C'est heureux que je sois là, mon cher, pour aider le colonel. Au revoir, messieurs. Ça devient impossible, chef. Vos hommes sont des gourdes. Vous ferez quatre jours. On t'a voulu pour aller, là, après huit jours. Hey, mais c'est vous qui m'avez dit de venir tout à l'heure. Ah oui, boîte à clous, Ignace. Oui, c'est un petit nom charmant. Je la connais. Oui, moi aussi. Ça fait 30 jours. Ah. Oui, et à ma façon. Oh. J'expliquerai pourquoi. Rompez. Vous avez compris? Comment? À la façon du chef. Oh, ça va, hein? Le pont m'avait. Ah ça j'avoue, à plat de couture. Mais il faut reconnaître que je n'étais pas très en forme. Oh, vous dites toujours ça. Alors, ma chère, d'où viens-tu, Monique? Viens jouer au tennis avec Serge. Encore? As-tu fini de te compromettre avec cet avocat, Yon? Me compromettons, ma tante. Une partie de tennis. C'est parfaitement. Je sais très bien qu'il ne peut pas être question de mariage entre ce Robin et toi. Tu es une durosière, n'oublie pas. Tu épouseras un officier. Voyons, ma tante. Serge est un excellent camarade. Il a toujours été très respectueux pour moi. Oui, oui. Ma chère enfant, ne t'en vante pas trop. Car en général, les femmes que l'on respecte sont rarement jolies. Eh ben, Robin, venez-vous? Vous vous avez vu? Oui, trois soupettés. Alors, et votre soirée, chère amie? Mais elle marche très bien. Ah, il faut reconnaître que pour ce genre de choses, Serge est parfait. Et la surprise, hein? Je crois qu'il s'agit d'une artiste. D'une artiste, oui. Et de musical. Oui. Quand je pense que je vais être obligé de recevoir cette créature sous mon toit. Mais ma colonel, je me porte garant de la bonne éducation de cette dame. Hein? Mon petit Serge, vous avez perdu au tennis. Venez vous consoler au billard. Et avec plaisir, mon colonel. Le temps de passer me changer et je suis heureux. Capitaine. Colonel. Ma nièce est seule. Allez lui tenir compagnie. Mais avec joie, colonel. Merci. 30 jours. 30 jours. Hein? Si jamais j'y comprends quelque chose, moi, c'est temps. Et ça, mon pote, j'ai l'air d'avoir avalé ton sabre. C'est toujours rapport à cette fameuse armoire, hein? Eh oui. Parce que le chef a écopé de 2 jours, le chef de 4 et le fourrier de 8, moi j'ai écopé de 30, forcément. Non. T'as écopé de 30 jours? 30 jours. Oh, mon pauvre vieux. Viens, on va s'en jeter un, ça te fera passer ça. T'as raison. Ouais. Ah oui, mon vieux, c'est comme je te le dis, 30 jours et à l'unanimité. 30 jours de quoi? Mais je sais pas, moi. Il y a le fourrier qui m'a dit comme ça, boîte à clous, tu auras 30 jours. Et il a ajouté à la façon du chef. Il a ajouté à la façon du chef? Oui.
Eh ben, mon vieux. Oh. Qui est ? Oh, mon pauvre vieux. Oh. Bon, celui-là, il me coupe la soif, madame Antoinette. Ah, bonjour, Antoinette. Ça va ? Vous avez vu le nouveau capitaine, là ? 4 jours. Lui. Ah, il a du cœur, lui. 4 jours. Ah, j'ai rencontré votre fille. Oh, magnifique, une robe superbe. Et oh, cette Esther, c'est une splendeur. Une robe encore gardée, encore gardée. Vous m'aurez raffiné, comme le capitaine. Il m'a donné des goûts de luxe. Donnez-moi des cigarettes avec le goût anglais, mon souvenir. Donnez-moi des capstans. Voilà. Combien ça vaut, ça ? 8 francs. Vous les marquerez sur mon compte, hein ? Salut, chef. Ah, vous voilà. Je suis là, oui. Oui. Hein? Et vous m'espionnez encore. Ah, non, je ne vous espionnais pas. Parce non, que non. Oui. Et vous buvez. Moi, je... Ah, oui. C'est une surprise, là, pour vous. Agréable. Oui. Une surprise pour moi. Oui. Et voilà, votre 30 jours. 30. Mettez ça sur mon compte, hein. Et j'indique à votre fille, hein. Au revoir. Bonjour à votre fille, hein. Bonjour. Oh, catastrophe. Voilà que je suis désigné comme ordonnance. Oh, vous ne croyez pas ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la pharmacie? Mais non! Vous vous l'affectez au service du colonel. Vous en avez des relations? Non, mais c'est de la prestance. Eh ben, dis donc, te v'là ordonnance. Eh, hey, les gars! Il y a la nouvelle ordonnance! La Saint-Rose! Castel des Roses, le colonel du Rose, le beau jardin. Ça me fait dommage de se quitter déjà. Ça passe vite, 30 jours. Faut que je rentre au quartier. Et qui va te remplacer? Ah, je ne sais pas. Mais je viendrai de temps en temps en douce. Je me débrouillerai puis je connais le chemin. Tu es en somme depuis un moment. Oh, ben maintenant, moi, ça m'est égal, je suis de la classe, c'est pour l'autre. J'ai l'impression que j'ai quelque chose de très grave à vous dire. Oh, ben dites-le. C'est que ça n'est pas si facile. Oh, pourtant pour un avocat. Oui, mais généralement, comprenez-vous, je plaide pour les autres. Tandis que cette fois-ci, c'est pour moi. Mais enfin, je veux dire, pour nous. Mm-hmm. C'est si compliqué que ça. Mais non, pas du tout, au contraire. Ça pourrait même se jouer sur 3 notes. Oh, bien là. Tenez, écoutez-moi. Petite fleur, qu'est-ce que c'est? Par l'ignorance, mon pauvre. J'entends des voix. Car il cachait sous un air d'indifférence le fait heureux qu'il faisait. Petite fleur, depuis toujours je vous aime et nous aime l'avouer. C'est bien fini, j'ai compris à l'instant même où vos beaux yeux ont pleuré. Je n'aime que vous. C'est pour moi très doux de connaître enfin ce bonheur divin. Ne chérir que vous, vivre à vos genoux,
songe merveilleux que l'on fait à deux sous un ciel plus bleu. Trouble charmant, ce cher moment vous fait paraître plus joli. C'est toujours l'éternel roman que revive tous les amants. Oui, tous les amants. Je n'aime que vous. C'est pour moi très doux. À ce rêve fou, ne pensez qu'à nous. Et n'aimez que. Beau jardin ici, hein, pour dire. Bon. 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 Oh, militaire! Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Non, pardon, si je vous dérange, je voudrais parler au colonel. Le colonel, vous voyez bien qu'il n'est pas là? Ben, je vois qu'il n'y est pas là, forcément, oui. D'abord, qu'est-ce qui vous a permis d'entrer ici sans vous faire annoncer? Ah, je demande pardon, je me suis annoncé, j'ai fait. Brr. Oui. Vous n'avez pas entendu parce que vous étiez occupé, bien occupé, mais j'ai fait. Oui, ben ça va, c'est bon, je connais la suite. Oh, vous fâchez pas, ça, vous pouvez continuer. D'abord, qu'est-ce que vous voulez, au colonel? Je veux le voir parce qu'il m'a fait demander personnellement, en personne. Ah, oui. Ah, c'est vous la nouvelle ordonnance? Vous y avez mis le dans le sud, vous avez sans votre respect, je suis l'ordonnance du colonel. Eh ben, ça tombe bien. Oh, ça dépend du point de vue où on se place, vous savez. Pour les uns, ça tombe bien, pour les autres, ça tombe mal. Ça va, c'est suffisant comme ça, maintenant. Retournez au salon, il va vous recevoir. Vous allez m'annoncer où? Oh, écoutez, alors vraiment, non. Je veux voir le colonel, je verrai le colonel, et puis c'est tout, le colonel, je verrai le colonel. Mais qu'est-ce que c'est, mon garçon? J'entends parler du colonel. Oui, monsieur, oui, du colonel, oui. Il y a un quart d'heure que je suis là, je l'attends, il ne vient pas, alors c'est un peu exagéré. Oh, par exemple. Ah, oui, oui. Monsieur me comprend. Non, non, il n'y a que les civils pour comprendre les militaires. Asseyez-vous, monsieur, je vais vous expliquer. Voilà ce qui se passe, ça. À la caserne, on m'a dit comme ça, tu vas être l'ordonnance du colonel du Rosier. Très flatté que j'ai dit. On m'a dit, c'est à la Villa des Roses. J'arrive Villa des Roses, je m'introduis dans la maison, et alors, pas plus de colonel que dans une boîte à graisse. Je me dis, s'il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Je suis allé ailleurs, il n'y était pas non plus. C'est à ce moment-là que je suis arrivé dans le jardin et que j'ai vu les deux énergumènes qui étaient en train de se... Enfin, le premier paix qui l'ont venu me comprendrait. Ah, oh, mais je vous comprends très bien, mon ami. Eh bien, tant mieux. Alors, monsieur, le colonel. Mais c'est moi, le colonel. Oh, oh pardon. Je vous aurais jamais reconnu, vous savez. Alors, c'est toi la nouvelle ordonnance? J'ai cet honneur, mon colonel, oui, c'est... Et c'est à cette heure-ci que vous arrivez? Mais c'est-à-dire que j'ai pas pu venir avant, vous comprenez? Juste avant le 5 o'clock. Qui? 5 o'clock. Oh, mais il fallait me le dire qu'il venait, nous serions venus ensemble, tous les deux. Qui? 5 o'clock. Oh, encore un dégourdi, ben vous avez la main heureuse, vous. Non, mais vous voyez? Annette! Philibert! Annette! Philibert! D'abord! Je vous ai pas demandé de les appeler. Mais j'avais peur qu'ils n'entendent pas là. Je vous avais ben vous en faites pas, je serai me faire entendre. Pas sûr. Annette! Philibert! Mais... Ah, oh, mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Oh, je me donne un peu ce qu'ils font. Mais je vous le demande pas, moi. Non, moi, je m'en ai à l'intérieur, c'était pour moi. Je le sais ce qu'ils font. Ah. Oui, je vais vous le dire. Ils sont en train de fricoter dans un coin. Mais ça ne se fait pas, des choses oh, comme ça. Oh, les lascars! Je vais les chercher! Pas comme ça. Dis donc, tu vas te mettre aux ordres de la colonelle. Hein? Et en attendant, je te conseille de descendre à l'office. Hein? Entendez-vous, colonel. Et tâche cette fois de ne pas t'égarer. Oh, mais je ne m'égarerai pas cette fois. Il a le bol bouille, l'animal. Voici, vous êtes mon colonel. À l'office. À l'office, c'est pas l'office ici. Oh, des gâteries. Oh, oh. Des petits fours. Oh, du sucre. Tiens, tiens. Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes fait? Je vous demande de vous fichez ici. Vous avez tout fait? Ça y est, oui. Je me suis égaré. Non, tu criais. Oh, à peine un peu, c'est... Un soupçon, quoi. Ouais. Je suis sauté un peu. Mais vous n'êtes pas ici pour suçoter. Je sais, enfin. Si je vous y repince, vous irez suçoter à la boîte. Aussi vrai que 2 et 2 font 4. À vous même, les lascars. Fils. Oh, bon. Je vous présente la nouvelle ordonnance. Vous la mettrez au courant. Annette, prenez ma jupe. Eh ben, qu'est-ce que vous avez à me regarder avec des yeux en boule de loto?
Vous n'avez jamais vu une femme en rutcheuse? Hein? En rutcheuse. Rutcheuse? En culotte, quoi. En culotte? Ouais. J'en ai vu une, pas comme ça. Vous vous y avez duré, mon garçon? Oh, oui, une fois ou deux que j'aurais vu. Assez! Assez, oui. Ce vieux pipi. Alors, c'est toi la nouvelle? Oui, c'est moi la nouvelle. Ouais. Dis donc, on a l'air d'être bougrement mieux ici qu'à la caserne. Hein? Oh. Aucune comparaison. Tu vas t'accouler douce, tu verras. D'abord, c'est debout le premier, à 5 heures. Alors tu te tapes aussitôt ce que j'appellerais le petit ménage, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, les escaliers, les couloirs, les pièces du bas. Tu verras, il y en a une bonne douzaine. Ensuite, alors tu cours au salon. Ah, ça c'est Annette. C'est ça, Annette? Oui. Pardon. C'est vous, Annette? Oui. Vous êtes jolie, vous savez, vous. Hein? Oh. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon bras droit. Ah, c'est ton bras droit? Oui, c'est la femme de chambre de la colonelle. Et il y en a beaucoup de femmes de chambre? Une. Elle? Oui. Elle me suffira. Alors, c'est vous qui allez vous occuper du ménage? Oui, pareil, oui, pareil. Je me sens rempli d'aspiration. Oui, ben justement, le voilà, l'aspirateur. L'aspirateur? Oui. Ben oui, vous prenez l'aspirateur pour faire le ménage, après vous mettez le contact. Le contact? Mais il y est déjà, le contact. Ça va, tu t'y feras. En attendant, viens avec moi à la cuisine, j'ai pas fini de te donner mes instructions. Viens. Venez. Alors après, tu vas voir le courrier. Tu prends toutes les lettres. Tout en paquet, tu les portes à la colonelle qui est le prix de nos collègues. Tu vas laisser passer, oui, non? Non, tu n'es pas encore là en maître, non? C'est moi d'abord. Ensuite, tu rentres d'Ardin pour faire les chaussures. Ah. Oh, mais dis donc, c'est joli ici, hein? Et combien il y en a de paires de chaussures? Oh, 40. Sans compter les bottes. Les bottes aussi. Ensuite, tu te laves les mains. Oh, tu sais. Oui, enfin, ça, si tu as le temps. Et tu sautes sur le petit déjeuner. Ah, le mien? Oui. Non, voyons. Celui du colonel et de sa nièce. Ah, surtout, n'oublie pas la cure de la colonelle. Alors, la colonelle, c'est au deuxième. Sa nièce, c'est dans l'aile. Le colonel, c'est au troisième, dans son bureau. Les uns à droite, les autres à gauche. Ça dépend, au hasard, tu verras où ils se trouvent. T'en as pour une heure et demie à te balader et de la vaisselle. Mon ami, comme gymnastique, ça, c'est servi, alors, hein. Ah, on sonne à la grille. C'est la grande grille. Va ouvrir. C'est aussi ton boulot, ça. Allez, allez, saute. Oh, malheur. Au revoir, toi. Oh. Dites-moi, Philibert, annoncez-moi à Mademoiselle Monique, voulez-vous? Je ne m'appelle pas Philibert, je suis Ignace. Je connais pas Mademoiselle Monique. Oh là là, ça te forme, hein? Alors, on repasse un peu, oui? Oui. Bonjour, mignonne, on va au marché? Oui. Je viens d'introduire le capitaine. Oui. Il me dit comme ça, dis donc, est-ce que Mlle Monique est là? Mlle Monique, je ne le connais pas. Il me prenait pour Philibert, moi Philibert. Ah, pauvre Philibert, il était bien gentil. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par « amuse-toi bien et je t'en souhaite »? Oh, rien. Il vous souhaite bien du plaisir avec la colonelle. Vous comprenez, il sort d'en prendre. Ah oui, il sort et moi je rentre pour 30 jours, bateau. Le colonel est très gentil. Et puis il y a Monique. Ah, il y a Monique, oui. Et la jeune fille que vous avez vue tout à l'heure. Ah, c'est Monique, ça? La petite qui se laissait embrasser, là? Embrasser? Embrasser par qui? Et par le jeune Godeluro qui était là. Elle se laissait embrasser? Miséricorde. Et vous l'avez vue? Je l'ai vu de mes propres yeux et, entendu, il lui faisait des baisers à claquettes. Oh, la malheureuse. Oh, la malheureuse. Je crois qu'elle n'était pas si malheureuse que ça. Eh bien, si la colonelle savait ça. Écoutez-moi bien. Oui. En dehors de toutes les consignes qu'on vous a passées, il y en a une. Une surtout que je vous recommande spécialement. Je vous ouis. Nous, notre consigne, c'est tout voir, tout entendre, rien dire. Tout voir, tout entendre... Et rien dire. J'ai compris. C'est idiot, mais j'ai compris. Eh bien, la fille, quand vous aurez fini de jacquer, c'est comme une pie. On est travaillé. Mais madame, je mettais la nouvelle ordonnance au courant. Ah, ah. Mademoiselle était en train de m'expliquer le travail. Moi, de rien, vous. Mais je sais bien, vous ne demandez rien, seulement, c'est ce que c'est. Taisez-vous. Quand on arrive, on est nouveau. Répondrez quand je vous interrogerai, pas avant. Mais comme je suis nouveau, je rembasse Philibert. Je suis venu faire ça. Ça doit être enrhumé du cerveau. Hein. Ça sent le roussi. Non, c'est pas moi. Oh, ben ma fille, mais vous êtes folle, voyons. Allez, mais vous brûlez ma chemise. Là, vous brûlez sa chemise. Ça va, donc, alors, laissez ça tranquille, vous.
Occupez-vous de ce qui vous regarde. Prenez un plateau des serviettes. Oh, tenez, regardez. Prenez un plateau des serviettes. Oui, vous lui avez fait des fantaisies. Un plateau et des serviettes. Des serviettes. Vous entendez? Ah, c'est à moi que vous parlez. Je vous fais cet honneur, mon garçon. Alors regardez la verre, je croyais qu'elle veut pas bien. Non, je ne regardais pas là et là en même temps. Parce que je ne louche pas, moi, figurez-vous. Non, mais vous avez même pas les yeux comme ça parce que vous aviez les yeux pas. Dites donc. Oui. Vous ne pourrez pas jouer au plus fin avec moi, vous savez. Rompez ! Je ne rompe pas. Et réglementairement. Ah. Un pour les talons. Deux, vous pivotez. Trois, vous ramenez des orteils. Moi, je me connais. Compris ? Je vais m'emmêler les arpions avec vous. Allez, essayez, voyons ça. Prétend, puis-je dedans. Mais c'est pas moi, c'est un glissé, que c'est pas de ma faute. Deux pour les talons. Trois pour les orteils et un pour la plante des pieds. Cependant, parmi tous les hommes qui vous entourent, n'avez-vous pas remarqué le sentiment, le tout que vous aviez fait? Vous êtes trop sensible, trop intelligent, pour ne pas avoir deviné la sympathie qui me poussait vers vous. Lui aussi, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Moi, je viens de débarrasser le théâtre de la colonelle, elle m'a dit... Oui, bien, dépêchez-vous. Je vais me dépêcher, madame. Je vous désire, non, mademoiselle. Excusez-moi, je vais rejoindre le colonel. Je vous en prie. Attention, mon père. Capitaine. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais je connais la consigne, voyons. Tout voir, tout entendre et rien dire. Ah, vous êtes diloué, vous, alors. J'ai compris. À voiture. Enlevez le service à paix, madame. Pardon. Merci. Oui, je viens de rapporter le service à paix. C'est très bien, ça. Mais au fait, comment vous appelez-vous? Dis-moi. Je m'appelle Ignace. Ignace? Oui, et depuis ma naissance, Il était pas tant, ce nom-là. N'est-ce pas qu'il était pas tant? Et puis c'est bien un nom pour être ordonnance, Mais savez-vous au moins ce qu'il faut pour être bonne ordonnance? Ah, ben non, parce que ça m'est jamais arrivé, vous comprenez? Je vais vous expliquer. Pour être une ordonnance, il faut des qualités. C'est pas ce qui me manque en vérité. Connaître les contours de la bonne société. À faire du chic, du style et du doigté. Il faut savoir brosser, faire lui raciter, chausser, classer, dresser son bien carré. Pour être ordonnance, il ne faut pas de défaut. Il faut savoir faire avec obéissance tout ce que l'on vous ordonne sans un mot. Pour être ordonnance, pour savoir ce qu'il faut, c'est le devoir accompli qui récompense une ordonnance. Pour vous dans le service, aucune timidité. Pour ça, j'aurai de la peine méritée. Ne pas être novice, savoir un peu flirter. Vous en jugerez dans l'intimité. Vous pourrez m'embrasser, oui, dans vos bras m'enlacer. Oh là là. Tout ça sans avoir peur de mon métier. Pour être ordonnance, il ne faut pas de défaut. Il faut savoir faire avec obéissance et tout ce que l'on vous ordonne sans un mot. Nous faisons l'ordonnance pour savoir ce qu'il faut. C'est le devoir accompli qui récompense une ordonnance. Au moment où ça allait marcher. Oh, bon Dieu. Peur, imbécile. Comment c'est toi? Mais oui, c'est moi. Tu viens coucher là? Et alors, pourquoi? Pour de ballot. Moi, je couchais chez le colon. Eh ben, moi, non. Voilà. Parce que tu sais pas, il fait.
Oh, je sais pas y faire, moi. Non, moi, je... Tout voir, tout entendre et rien dire. On prend un peu le frais. Mais oui, le piano et ses danseuses m'incommodent. Pourtant, elles sont gentilles, elles dansent, elles sont jeunes, fraîches et tout, et tout, et tout. Et tout, et tout, mais elles m'incommodent. Avez-vous vu leurs jambes? Oui, non. Oui ou non? Oui, je les ai vues, mais je ne les ai pas vues. Il y a longtemps que mes regards ne s'attardent plus à ces frivolités. On dit ça, hein, par contre. Dites-donc, voulez-vous boutaire? Rompez. Je rompe. Mais dites-moi, mon jeune ami. Je rompe ou je rompe pas? Tout ce que vous voudrez, mais venez ici. Voilà. La colonelle est partie depuis longtemps en promenade. Il y a une heure environ. Bon. Si son bourrin ne lui a pas fait des entours loupettes, elle ne va pas tarder. Des entours loupettes? Qu'est-ce que c'est que des entours loupettes? Vous ne pouvez pas comprendre. Non. Oh. J'entends un galop se sentir. Garez vos nougats, baron. Voilà l'express. Mais nougats? Vous ne pouvez pas comprendre. Pardon. Oh, Gabriel Gabi, ah. Nougat. Nagabé, mais. C'est Lignac. On est en mer. Aidez-moi. Voilà. Je ne suis pas mécontente d'être arrivée. Oh, mais voyons, vous promenez à cheval à 4h30 de l'après-midi. Mais c'est de la folie, je suis fou d'inquiétude. Ami. Ami. Ignace. Oui. Emmenez Cicéron et un bon coup de pansage. Voilà, bon. Oui, beaucoup de pansage. Tenez, prenez ma jupe. Tenez, vous déshabillez encore. Prenez la jupe. Ah, Ignace. Oui. Vous préparerez dans le jardin chinois les stivers pour la cure du baron. C'est ça. Compris? Oui, attendez, ma fille. Alors, oh là là! Oh, quel champ de bataille! Alors, vous m'attendiez? Je m'étiole quand je ne vous vois pas. J'avais si peur de perdre quelques précieuses minutes de votre présence, Gabriel, que j'ai négligé ma cure. Votre cure? Mais vous n'avez jamais pu la suivre. Ma cure, c'est vous, ma Gab. Je vous suis depuis 20 ans. J'en suis à mon 14e 1897e verre. Grand fou. Oui, grand fou. Attendez, moi, je vais me changer. Bon. Je vous ferai boire votre eau moi-même. Oui, ma cure. Et n'en profitez pas pour regarder ces demoiselles, hein. Je les regarde, mais je ne les vois pas. Et vous? Vous en profitez pour transformer mon talon en champ de manœuvre. Mais, ma colonelle, c'est pour la revue. La revue, la revue. Je parie vous n'êtes pas fichu de les faire marcher droit. Oh, mais si, ma colonelle. Allez, debout là-dedans. C'est frais, c'est jeune, c'est... Dis-moi, Ignace, mon ami, au lieu de faire l'idou dans le salon, allez donc chercher quelque chose à boire. Hein? Ah, vous voulez boire quelque chose, mon capitaine? Oui, un magnum de dry. Vous préfériez pas un piquant citron? Mais de quoi vous mêlez-vous? Je vous dis un magnum de dry. Ah, un magnum... Qu'est-ce que c'est, ça? Dry, D-R-Y, dry. Ah, yo. Magnum... Dry, dry. Oh, que de bouteilles, mon Dieu. Oh là là. Aquanevra. Non, c'est pas du drap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veuve Picot. C'est gai. Ah. Pardon. Allez, au sixième. Ah, bon Dieu. Dommage qu'elle n'ait pas une septième. Parce que moi, je me connais, moi. Celui-là, je me le serais envoyé. Le baron des orfraies. Descendant des croisés. Les croisés, c'est ma famille. Me faire des propositions devant Monique. Quelle imprudence. Gabriel, rien ne peut plus retenir la passion que j'ai pour vous et qui vous laisse froide.
Allons, Gédéon, soyez sage. Chien Brutel, ma Gabrielle, ma Gabe, soyez à moi. Le feu couve depuis trop longtemps, il suffit d'une étincelle pour faire jaillir la flamme. Gédéon, ne parlez pas de flamme. Il ne faut pas jouer avec le feu. Mais c'est justement pour l'éteindre que j'essaie d'ingurgiter toute cette eau avec une paille. Vous me faites rire avec votre paille. Il faut boire en homme. En homme? À la russe. Non. Un pour le coude, deux pour l'élan, et hop, vous buvez le verre. C'est vrai? Essayez. Un pour le coude, deux pour l'élan, et hop, vous buvez le verre. Là, et bien. Eh bien, mais c'est moi, ma belle, ça. Vous voyez bien. Pour vous faire plaisir, je vais boire les trois autres d'un seul coup. Allez, au deuxième. Au trois, là. Profitez, hein. Profitez le verre. Un pour le coude. Deux pour les lents. Deux pour les lents. Et hop. Vous videz le verre. Vous videz le verre. Allez, vite. Quelque chose, mademoiselle? Non, mais je suis la vedette. Vous êtes la vedette? Oui. Ah, vous venez pour la petite plaisanterie aussi? Moi, je suis l'ordonnance du colonel. L'ordonnance? Oh, bah justement, je veux voir madame la colonelle. Oh, bah, c'est pas difficile, vous savez, la colonelle, elle est un peu partout. Elle. Bah, non, c'est moi. Mais comment vous vous appelez, vous? Mademoiselle Loulette, des Folivailles. Ouh, c'est joli, ça. Ah, aussi. Le sixième? Eh ben, qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Moi? Oui. Je ne vous regarde pas, ma colonelle. Vous ne nous regardez pas? Vous ne nous regardez pas? Il dit qu'il nous regarde... Mais vous savez bien, mon garçon, que je vous ai toujours considéré un peu comme l'enfant de la maison. Vous savez, ma colonelle, moi, je suis sûr. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Ah, il vaut mieux. Non. Monsieur que vous voyez là, c'est mon frère. Ah, c'est votre frère? Oui. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, alors, n'est-ce pas? Je lui prouvais mon affection. Ah oui. Voilà. Affection. Oui. Je m'excuse, ma colonelle, je n'ai pas arrivé à ce moment-là. Il y a Mlle Loulette des Folies Variétés qui voulait vous voir. Alors, forcément, je suis venu vous l'annoncer. Vous savez ce que c'est? Et quand il y a... Ben, qu'est-ce que vous avez? Non. Mais qu'est-ce que vous avez? Moi? Rien. J'ai froid. J'ai froid, oui. C'est la chaleur. Épongez-vous, épongez. Écoutez, mon ami. Vous allez recevoir cette demoiselle. Moi, je vais prévenir le colonel. Faites entrer, Ignace. Oui. Et vous savez, pour ce qui est du... Je connais la consigne, moi. Tout voir, tout entendre et rien dire. Et ma chaleur. Eh ben, ça va mieux? Qui? Ben, vous? Moi, oui. C'est l'amour qui vous met dans cet état? C'est l'amour. Oh, mais soyez raisonnable, voyons, mon ami. Quand ce garçon nous a surpris sans ma présence d'esprit, j'étais une femme perdue. Mais du nerf, je dis, oh, voyons, du nerf. Bonjour, monsieur. Eh ben, voilà qu'il est dur de la faim, celui-là. Bonjour, monsieur. Oh, mince, le baron. Chouchouille. Toi, Loulette, moi, j'ai dit où? Nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Oui. Une cure. Je suis chez des amis. C'est ça. Monsieur voit des amis. Ah, je t'en supplie, pas de scandale, on peut nous entendre. Je vais me gêner, peut-être. Monsieur fait des prunelles. Monsieur débauche les petites femmes. Il les laisse tomber. Sans un regret. Sans un petit chèque pour apaiser les angoisses d'un cœur meurtri. Chouchou, il t'est un vieux dégoûtant. C'est possible, mais pas de ce nom-là ici. Hé,
voyez ce champagne, il vient, oui ou non? Bon, il est venu, mais il est reparti. Il y a le frère de Gabriel, il a tout bu. S'il est arrivé. Voulez-vous vous dépêcher? Oui, 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 je me dépêche, oui. C'est la maison de la soif. Oh, oh. Voyons Loulette. Il n'y a pas de voyons Loulette. Oh, si. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de piquer une crise de nerfs. Oh, mais croisé. Ah, pour commencer, tiens. Mais tu te tais. Tiens. Ah non, pas ça. Tiens. Mais tu es folle, dis donc. Mais c'est à vous qu'il faut le demander. Écoutez, Ignace, je vais vous expliquer. Non, m'expliquez pas, c'est pas la peine, parce que depuis ce matin... Ne faites tellement... pas attention, Ignace. Mais je sais bien. Mademoiselle est ma nièce. Ça arrive. Elle est ma nièce. C'est elle arrive de Paris. C'est oui, tu peux en dire un petit bonjour. Oui. Seulement, elle est un peu nerveuse. Ça se voit, vous savez, ça se voit qu'elle est nerveuse. Oui. Ça, elle frappe et puis... Si votre sœur savait ça... Eh ben, je parle. Et puis, quelle sœur? Ah oui, la colonelle. Ma sœur. Regardez-le, le frère de la colonelle. Pauvre chouchou, il va. Chouchouille. Eh ben, le baron, quoi. Ah, lui, c'est chouchouille. Oui. Ben, le baron, c'est chouchouille. Eh ben, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que vous, vous êtes la nièce de chouchouille. Chouchouille, c'est le frère de la colonelle. Et la colonelle, c'est la femme du colon. Et allez, tout ça, ça fait de la famille. Et au fond, moi. Eh bien, capitaine, croyez-vous, quel gentil petit escadron. En effet, mon colonel. Alors, mademoiselle, du sourire. Voilà du monde, je vais te présenter au colonel, mais je t'en supplie, pas de chouchouille, pas de dégoûtant. Pas de chouchouille, mais t'es un dégoûtant. Je n'ai pas de mots comme celle-ci, je t'en... Mademoiselle Loulette, comme c'est gentil à vous d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Oh, du moment qu'on me donne mon cachet. Évidemment. Parce que je ne peux pas compter sur ce vieux dégoûtant de chouchouille. Pourquoi? Rien. Bon, venez, venez, je vais vous présenter à madame la colonelle. Colonel, je vous présente mademoiselle Loulette, qui a bien voulu apporter son concours à notre soirée. Bonjour, madame. Enchantée, mademoiselle. Je vais vous présenter au colonel. Ouais. Romuald, je vous présente mademoiselle Loulette, qui a bien voulu apporter son concours à notre soirée. Oh, mademoiselle, je suis enchantée de vous connaître. Oui, ben ne frétillez pas, Romuald. Voulez-vous ne frétillez pas? Mademoiselle Monique. Ma nièce. Notre nièce. Oui. Oh, je suis contente de vous connaître, mademoiselle. Je vous ai tellement applaudi. Oui. Allez, j'en sais. Ainsi, nous allons avoir la primeur du chef-d'œuvre de notre émissaire. Mon colonel, mettons l'œuvre simplement, voulez-vous? C'est plus modeste. Mais vous m'excusez, j'ai ma répétition et mes girls qui m'attendent. Allez, je vous en prie. Bravo, bravo. Vous êtes des amours et vous dansez délicieusement. Il y a deux choses que j'aime dans la vie, le cheval et la danse. Mon capitaine, je regrette beaucoup, mais la danse, c'est mon rayon. Dommage. Enfin, il me reste le cheval. Alors, mademoiselle, habillez-vous, maquillez-vous et soyez prête pour tout à l'heure au casino. Hein. Du reste, je vous félicite, ça a très bien marché tout à l'heure. Je suis très content. Et après la revue, le champagne avec moi. Des compliments, Serge. Elle est charmante, votre vedette. N'est-ce pas? Et quelle jambe? Ah oui, puis au moins on les voit. Oui, ça. Vous en connaissez beaucoup de vedettes dans son genre? Monique, mademoiselle Loulette est une charmante camarade que j'aime beaucoup. Et je suis ravi de l'avoir dans ma revue. Du reste, je compte beaucoup sur elle pour mon succès. Non, je n'en doute pas. Et voyons, Monique. Ah non, j'ai compris, j'ai très bien compris. Dites-moi, Serge, vos girls vous attendent. Vous allez être en retard au casino. Oui, c'est juste. Vous m'excusez, Monique. Elles sont vraiment charmantes. Ah, vous aussi? Pardon? Adada. Adada. Oh, adada. Ça, par exemple, c'est trop fort. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal aux dents? Non, non. Non, j'ai pas mal aux dents, mais pendant que je m'esquinte à travailler au milieu de nudité plus que dévêtue et des gens qui s'embrassent dans tous les coins que ça les nomme, monsieur fait adada. Qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant, gros malin? Vous aviez le temps depuis que vous êtes là. Ah non, moi je regrette. Je suis pas venu ici pour le fier. Ah, c'est bien ce que je disais, va. Tu ne sais pas y faire. Je sais pas y faire. Non. Je sais pas y faire. Non. Pardon. Tu vas voir si je sais pas y faire. Allez, rends-moi ma place. Ta place? Oui, ma place. Oh. Annette est affectée à la cuisine. L'ordonnance, c'est son boulot. Or, moi, je suis la nouvelle ordonnance. Pour 30 jours, je te serai reconnaissant de ne pas piétiner mes plates-bandes et de me foutre le camp immédiatement et sans délai. Et, dans l'attente d'une réponse favorable, je te prie d'agréer mes salutations distinguées. Bon, ça va, ça va, ça va. Et tu la veux, ton Annette? Oui. Ça va. Oh, oh, faire ça à une faible femme. Oh. Il vous a fait mal, la grande brute, hein? Oh, oui. Oh, mais avec moi, les caresses, ça va changer. Voilà, ça. Alors, cher ami, reposez-vous bien. Et à ce soir. À ce soir. Bon, colonel. À tout à l'heure. Au revoir, Monique. Au revoir.
Votre nièce est délicieuse. Si j'étais un jeune homme, je vous demanderais sa main. Et je ne saurais vous la refuser. D'ailleurs, je crois qu'il me serait impossible de vous refuser quoi que ce soit. Ouais. Ou alors, il faut que je vous parle. Oui. Ah, te voilà, Ignace. Oui. Eh bien, je te cherchais. Eh bien, on m'a trouvé. Tu m'as l'air intelligent. Oh hein. Là là, vous pensez. Bon. Eh bien, j'ai une mission à te confier. Grave. Voilà. Oui. Je vais au casino. Au casino? Oui. Voici une lettre pour la nièce du colonel. Oui. Tu la lui remettras ce soir en main propre. Ouais. T'as bien compris? Une lettre pour la nièce du casino? Non. Une lettre pour la nièce du colonel en main propre ce soir oui. Au casino. Voilà. Et surtout, oui. Pas un mot. La nièce du colonel. Ce soir au casino, la nièce du colonel. La nièce. Mais laquelle de nièce? Il y en a deux. Oh. C'est la maison du mystère. Mais de quoi s'agit-il, mademoiselle? C'est un vieux dégoûtant de chouchouille. Chouchouille, connais pas. Bah, le baron, quoi. Des enfants? Oui. Comment le baron des enfants s'appelle chouchouille? Oui, c'est le diminutif de Gédéon. Ah, mais j'avoue que je n'y aurais pas pensé. Et que vous a-t-il fait, chouchouille? J'étais sa petite amie. Oh, pas possible. Oui. Et puis il m'a plaqué. Oh. Sans un geste, sans un regret. Oh. Oh là là. Si ce n'était le respect que je dois à votre maison, qu'est-ce que j'aurais fait comme scandale en arrivant ici? Un scandale? Mais vous n'y allez pas de main morte. Oh, pas lui non plus. Non, mais regardez. Je vais vous montrer tous les sévices qu'il m'a fait subir. Oui, écoutez tout ce que vous voudrez, mais pas ici, pas ici. Il faut que vous vous rendiez compte. Non, écoutez, mille tonnerres, mademoiselle, je vous en supplie, si la colonel rentrait. Ah, ben je lui dirai tout. Oui, tout ce que vous voudrez, mais pas ici. Écoutez, je vous en supplie, habillez-vous. Je vois tout rouge, moi, avec tous ces bleus. Regardez, encore. Non, 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 pas ça de grâce, pas ça. Oh, que j'aime les officiers. Oh, qu'elle attend. Ignace! Oh, mais il est partout celui-là! Oh, regardez! Oh, 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 par ici, mademoiselle! Par ici! Par ici! Par ici! Ici! Non, ici! Non! Quoi? Viens! Oh, colonel! Oh, colonel! Belle, vous en? Belle, vous en? Mais si la colonel arrivait! Oh, colonel, je vais y au gras, je vais là. Oh, ce que j'ai eu chaud, mon Dieu! Mais je comprends, justement, j'ai tenté des rafraîchissements seulement. Oui. Ils ont glissé. Oui, mais écoute-toi, écoute-toi, mon garçon. Si jamais tu racontes quoi que ce soit, je te fourre à la boîte jusqu'à la gauche, tu entends? Oui, je comprends. Moi, je comprends. Allez, Motus, on me chatouillerait la plante des pieds avec une plume que je ne dirais rien. Bien, très bien. Ouf, un peu, oui. Un peu beaucoup, même. Il n'y a pas de quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe comme chinoiserie dans ce jardin chinois, mon Dieu? Pour moi, c'est le pommier en fleur qui leur tape sur le citron. Oh, oh, catastrophe. Oh non, c'est pas possible, ça, non. Tu as l'air tout drôle. Il y a que tout le monde fait des bêtises et c'est moi qui comprends de la boîte. Oh non, oh non. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Recapitulons. Je surprends la colonelle en train d'embrasser son frère, le baron. J'arrive et je trouve le baron aux prises avec mademoiselle Loulette, sa propre nièce. Et pour le comble, je retrouve la dite nièce en tenue légère devant mon colonel, son autre oncle. Quelle famille. Quelle drôle de famille. Quelle famille? Oh. La 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 la, quelle famille! Pourquoi donc tous ces gens-là sont comme ça? L'oncle, la tante, les neveux ne se connaissent plus entre eux. Ils se mélangent, c'est curieux, compliquant tout à qui mieux. Oh la 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 la, quelle famille! Pourquoi tous galimatia? J'aime pas ça. Moi je ne dirai jamais rien, mais je trouve que c'est pas bien. Quel papa, quelle mimi, quelle famille! Oh zut! J'ai oublié de remettre la lettre à la nièce de la colonelle. Voyons, Annette, cette tenue n'est pas en état. Les boutons sont desserrés, la patte ne tient plus. Emportez ça et vérifiez-le, n'est-ce pas? Bien, mon colonel. Et puis, préparez-moi mon habit. Oui, mon colonel. Qu'est-ce que j'entends? Vous allez mettre votre habit? Écoutez, ma chère amie, pour cette soirée mondaine, donnée au bénéfice d'une œuvre dont vous êtes la présidente, je préfère me mettre en frac. Ah, Romuald, quand vous serez général, vous... Annette! Les petits fours sont arrivés? Oui, le colonel. Veillez bien que tout soit prêt ici pour recevoir mes invités après la présentation du casino. Et tâchez qu'Ignace fasse son service convenablement. Et où tu vas, toi, gros ton? Lâche-moi, ça me dérange pas que ce n'est pas. Je me laisse le faire. Bon, mais il ne se fait pas engueuler, c'est pas. Lâche-moi, bon Dieu, quoi, parce que je vais voir la nièce du colonel, moi. La vedette, la nièce du colonel. Ah, oui, de là. Ça, je la connais pas, oui, pour toi, ne me dérange pas, je m'en prie. Thank you.
climat de feu, au pays merveilleux, où le désir toujours unit la danse et l'amour. Il n'est rien de plus beau, de plus tendre et plus chaud, que ton rythme magique, danse de Mexico. Oh Mexicana, oh mi querida, oh Mexicana, chante là-bas. Oh Mexicana, niña de sierra, oh Mexicana, tu nous tiens là. Une lettre urgente à remettre à la vedette. Devant la vedette, toi. Là, tu as des 100 en bas, il est dans le milieu là-bas. Dans le milieu. Oui, tiens, prends ça. Avec toi, on ne t'en connaîtra pas. Des taureaux, les brebis, les moutons, les chiens, les chats, les cochons, tous les chevaux rétifs, qui sont réparatifs, chants.
flotte le soir à la brume. Ce chant vindicatif. Oh, Mexicana, oh, Mexicana, oh, Mexicana, chant de là-bas. Oh, Mexicana, fille de sierra. Oh, Mexicana, tu nous tiens là. Rater notre numéro. Il est inouï. Quant à vous, adorable. Blondie. C'est vrai. Encore bravo. Merci pour votre petit mot. Quel petit mot? Serge, je crois qu'on vous appelle. J'ai fait du plan-plan, quoi. Rosa, tu peux parler. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, au milieu de toutes ces petites poules? Et vous, madame, qui venez me déranger dans mon travail? Moi, un artiste. Et dans quelle tenue? Juste un cadeau de madame. Ma parole, ma chère, vous êtes en masqué. Oh. Et puis qu'est-ce que c'est? Il manque un morceau à la robe ici. Allez, perruche. Allez. Mais alors, c'était vraiment à toi? C'est pas moi. Oui. Ah, bah tu en fais de belle. Enfin, je ne te dirai rien parce que tu as eu du succès. Ah, tu m'as vraiment bien amusé. Et je m'en souviendrai. Et à la première occasion, je te donnerai un reggae. Oh, vraiment, c'est trop vous me gâtez, mon colonel. Oh là là, il faut que j'aille encore à la soirée du colonel. Qui est là? C'est votre partenaire, Ignace. Oh, bravo, Ignace, bravo. Bonjour, colonel. Oh, mais on fait d'or. Colonel. Ah, dis donc, à propos de toi, enlève ta veste et va te mettre en tenue pour servir mes invités. Hein? Plus que ça encore. C'est bien simple. Depuis l'exposition de 1900, j'ai rien vu d'aussi. Comme vous savez parler. Loulette, ce soir j'ai 20 ans. Joyeux anniversaire. Venez prendre une coupe de champagne. Bravo, cher. Quel triomphe. Vous avez été adorable, unique, céleste. Vous permettez, ma chère interprète, comme je suis heureux de pouvoir vous féliciter encore. Je vous dois tout le succès de cette soirée. Bravo et encore merci. Allez, servez-nous du champagne. Ah, du champagne. Ça a bien marché tout à l'heure. Très hein? Bien, Ignace. Bravo. Merci, Annette. Poussez-vous un peu, là. Entre, je vais trinquer. À la vôtre, mignonne. À la vôtre. À la mienne. Pensez à vous. Ah, ben, mais pourquoi je ne me prends pas après tout, hein? Il faut qu'il ne tienne pas trop. Évidemment. Évidemment, mais surtout à moi. C'est plus vite, hein? Oui. Charmante, la brune. N'est-ce pas? Oh là là. Je crois que Monique, hein? Hein? Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, Ignace? Je me comprends. Ne discutez pas, je ne pas vous-même. Au revoir. Quel succès cette soirée. Tout le monde avait ravi, n'est-ce pas? Vous avez vu le colonel partir avec la vedette? Oh, lui, il pratique toujours. Oui. Mais moi, ce soir, j'oublie que je suis mariée. Toute cette poule me grise. C'est vrai, moi aussi. Oh, Gabi Bagabe, je voudrais vous emporter dans une île déserte. Une île déserte, bon. Oui. Mais c'est fini, Adam et Ève. Oh non, ma pomme. Serpent. Ah, vous vous souvenez de contre de ces villes de vous et tout et moi et vous. Et vous et moi et nous. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Allez-vous-en. Je pars. Disposez, mon ami. On ne peut pas rêver. Dès que j'irai à Paris, je me précipite dans Petit Variété pour fleurir votre part. Mmh, quelle délicatesse. Vous pouvez venir, je serai toujours là pour vous. Oh, Monique, vous toute seule? Juste que vous êtes jolie. Et quelle robe.
Oui, croyez-vous, ces vedettes, quelles prétentions. Il n'y en a que pour elles. C'est justement ce que je me disais. Ma raison le dira. Le capitaine est las et peut-être trop sage. Mon cœur décidera. Lequel des deux comble mes voeux? Dois-je préférer la tendresse au désir court, pourtant très doux, de moi je ne suis plus maîtresse. Monique, je vous dois une explication. N'insistez pas, ce que j'ai vu n'a pas besoin d'explication. Donnez-moi donc un verre de champagne, vous voulez ? Oui, monsieur. Vous chatouillez, monsieur. Mais j'espère bien, dites-moi. Qu'apportez-moi une bouteille de champagne à la table, mademoiselle Lulette, voulez-vous? Bien, monsieur. Gnas, qu'est-ce que tu veux? Tout le quartier est en branle-bas, revue demain matin à 5 heures. Faut que t'amènes le cheval du colon, même que j'ai un télégramme pour lui. Pour le cheval? Mais non, idiot, pour le colon. Urgent qu'on m'a dit, tu te rends compte? Oui, je me rends compte. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tête? Qu'est-ce que j'ai? Oui. Qu'est-ce que j'ai? Oui. Parce que j'ai? Non. Annette me trompe. Ah oui, ah ben ça, je le savais. Non, tu le savais pas, non, bon, tu le savais pas, parce qu'elle me trompe avec le pitel. Attends. Non, oui. T'en es sûr? Je les ai vus et je les ai entendus. Il a fait guili, 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 et puis il a embrassé. Mon pauvre vieux, va t'en fais pas, va. Une de perdue, 10 de retrouvée, va. T'en fais pas, va. Annette. Et c'est... Quoi? Ah! Mais voyons, Ignace, qu'est-ce qui te prend? Ne parle pas, prêtresse. J'ai tout entendu. Tu as tout entendu? J'ai tout vu, ce qui est pire. Mais voyons, Ignace, tu vas pas t'imaginer des choses? Comment m'imaginer des choses? Mais je n'ai pas l'imagination aussi fertile. J'ai vu, de mes yeux vus. Ignace, écoute! Je n'écoute rien du tout. Et après ce qui vient de se passer, nous n'avons plus à nous tutoyer. La communication est coupée. Les câbles sont rompus. Annette, vous pouvez les faire vos mal. Mais mal? Oh, vous êtes ignoble. Allez, c'est ça. Tous les vices de la séduction. Après les paroles amères, les larmes, encore plus amères. Et avec moi, ça ne prend pas, tout ça, ça ne prend pas. C'est du bluff, c'est du bluff. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Tu appelles ça des apparences, toi. Pendant que je me tiens sur la réserve, toi, tu fais du service actif. Mais puisque je t'ai dit que c'est pas de ma faute. Pas de ta faute, je dis. Si entre officiers, on se fait des entourloupettes, alors, ça va vous dégoûter. Entre officiers? Je suis brigadier, n'oublie pas. Et si le capitaine te plaît mieux que moi, t'as qu'à choisir l'un ou l'autre. Je n'aime pas le partage. Je t'aimais, tu m'aimais, c'est bien fini désormais. T'as osé te griser de l'odeur de ces baisers. Si je tue, toi tu mues, c'est fini, n'en parlons plus. Le pitaine ou moi, il te faut choisir, et cela sans réfléchir. Lequel des deux comble tes voeux? Dois-tu préférer ces caresses au moment fou, pourtant si doux, que nous connûmes dans l'ivresse? Lequel des deux saura le mieux te retenir, femme traîtresse? Fais-moi cet aveu, car vois-tu, ça m'aime. Lequel Pedro.
de folie variété pour fleurir votre loge. Quelle délicatesse. Vous pouvez venir, je serai toujours là pour vous. J'adore les officiers. Vous êtes céleste. Gabi Macabre, dansons. Dansez. Oui, je vous veux dans mes bras. Oh oui, ami. Même trouvé dans ses bras. Mais Loulette est une camarade. Une camarade un peu tendre. Et voyons, Monique, Loulette est une artiste. Et dans la joie du succès, elle m'a embrassée. Eh bien, c'est bon. Oui, elle vous a embrassé sur la bouche. Parfaitement, sur la bouche. Comme ça. Oh, non, non, pas comme ça. Comme ça. Alors, fini ce gros chagrin? Oh oui, mais à quoi bon? Parce que ma tante s'oppose toujours à notre mariage. Alors, ami? Oui, oui. Ami, oui, oui. Au revoir. Je rentre au quartier. Tu vas pas me laisser, Ignace? Si, si. Tu sais très bien que quand tu ne fais pas le méchant, je suis la plus heureuse. Viens. Je viens. Léopard. Mais viens. Mon colonel, comme vous êtes prêt ce matin. Et pourtant, quelle soirée. Oh, ces girls. Oh, ces girls. Vous partez à bicyclette? Oui, je pars à bicyclette. Un petit tour dans les bois. Bravo, partez à bicyclette. Au revoir. Vous avez bien dormi? Comment? Si j'ai bien dormi? J'ai passé une excellente nuit. Moi aussi. Comme les consciences tranquilles. Voilà. Voilà. Le charmant. Elle est charmante. Mais qui ça? Comment qui ça? Eh bien, mademoiselle Loulette. Quelle est exquise. Alors, je pars. Alors, vous partez à bicyclette. Oui, voilà. Je pars à bicyclette. Mais avant de partir, je tiens à vous avouer une chose. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non, moi non plus. Vous non plus? Moi non plus. Je compte sur votre discrétion. Comptez sur ma discrétion? Oh, catastrophe, c'est en revue. Avec le général, le cheval, le colonel, dors là, ma sirène, dors. Dors. Oh, bon Dieu. Adieu, ma future. Oh, catastrophe. 9h10. Oh, bon Dieu. Ah, vous voilà. Cher ami. Vous venez prendre votre cure. Je viens prendre ma cure. Et du vin. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs, ma colonelle. Qui me les envoie? L'inspecteur général. Et du vin. Tiens, tiens. L'inspecteur général m'envoie des fleurs. Il y a aussi un mot, ma colonelle. Et du droit. C'est bien, merci. Et du quatre. Oh, ami, l'inspecteur général vient déjeuner. Et du 5. Monique! Monique! Et du 6, ça y est! Eh bien, au revoir, Julien, merci. C'est parfait, je suis très content. Ah, ben vous voilà enfin, je vous cherche partout. Pardon, monsieur? J'ai justement terminé mon inspection, mon cher colonel. Et oh, catastrophe. Je vous fais tous mes compliments. Votre caserne est parfaite. Et quelle tenue, si vous permettez. Je vous en prie. Dis, qui c'est ce monsieur là? C'est mon patron, l'inspecteur général des effectifs. L'inspecteur? Oui, général des effectifs. Général des... Alors, colonel, nous allons chez vous? C'est moi? Oui, vous avez bien reçu mon télégramme. Le télégramme, c'était vous. Mais oui, vous m'attendez bien à déjeuner. Ah oui, à déjeuner. Eh bien, alors allons, si vous voulez profiter de ma voiture. Oui, mais et le cheval, alors? Ah, bien, le planton va s'en charger. Planton. Oui, planton. Hein? Prenez le bourrin, planton. Attention, il est méchant, hein?
Alors, si vous voulez monter. Je vous en prie, mon cher inspecteur. Ah, pardon. Je suis enchanté de faire la connaissance de la colonelle. Moi aussi. On m'a dit que c'était une femme. Oh, ben. Ah, ben. C'est toi, Ignace? Non, c'est moi. Ah, oh, Fifi. J'arrive directement du quartier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le général vient déjeuner chez le colonel. À la santé du général. Oui, et alors? Eh bien, alors, comme Ignace n'est pas là, je suis désigné pour la corvée de Breitbach. Tu parles d'une rigolade. Ça te rappellera le bon temps? Oui. Attention à la colonelle. Comment? C'est encore pour ici, vous? Ma colonelle, j'ai été désignée pour la corvée de Brest. Ça va pour aujourd'hui. Et Ignace? À la revue, ma colonelle. Et puis, naturellement, il n'est jamais là. Le caviar? À la glace. Les toasts? Au feu. Le faisan? À la broche. Donc, ne soyez pas en retard, hein? Vous préférez attendre le général. Un général, ça n'attend pas. Avez-vous compris? Repos! Non! Travail! Voilà. Nous voilà arrivés, mon cher inspecteur. Dites tout à l'heure, vous baisserez la capote. Hein? Marche bien. Mais mes compliments, mon cher colonel, mais vous avez une propriété magnifique. Oui, oui. Oui, oh, mais l'extérieur, c'est rien, mais alors, à l'intérieur, c'est... Vraiment? Oh, vraiment, oui. Vraiment. Monsieur l'inspecteur, je m'excuse de vous accueillir seul, mais mon mari n'est pas encore rentré. Votre mari, mais si, madame, mais si, madame, si, il est venu avec moi dans ma voiture. Ah. Oui. Me voilà, Gabriel. Stop. Oui, je suis là, Gabriel. Nous sommes rentrés le colonel et moi à la porte du quartier. À la porte du rentrez, mon cher inspecteur. Mais, je n'en fais rien, monsieur l'inspecteur, je n'en fais rien. Ignace, qu'est-ce que ça signifie, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Ce n'est pas une comédie, je ne vais pas vous expliquer pour le moment. Quoi, Annette, la lettre, Philibert, la poche, la veste, le bouton, le... Vous moquez de moi, vous êtes fou? Non, je ne me moque pas de vous, je suis le colonel, vous êtes ma femme. Je suis votre femme, moi, je ne vous moque pas. Je vais faire comme ça, parce qu'on va faire du carnet, je vous en prie. Ça va parler, oh, oh, que ça va parler. Non, mais c'est pour ça. Je ne comprends pas. Mais la situation est effrayante. Une heure seulement. Oh, excusez-nous, monsieur l'inspecteur. Mais vous êtes en train de dire à Gabriel que je vous avais rencontré comme ça, là, machinalement. Vous étiez venu pour une heure seulement. Et que... Oh, mais vous avez, madame, une maison ravissante. Vous êtes trop aimable, monsieur l'inspecteur. Ah oui, et puis alors, il y a tout. Vous avez vu, c'est l'escalier, là, l'escalier. Alors, il jette du jus, vous savez. Oui. Qu'est-ce que vous avez, ma fille, à me regarder avec des yeux en boule de billard, vous, hein? Mais, Ignace. Il n'y a pas d'Ignace ici, ma fille. Allez, servez le porto. Et dépêchez-vous. Allez, servez le porto, allons. Oh, ben ça alors. Il n'y a pas de ça alors. Le ça alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de ça alors. Non, il n'y en a pas de ça alors. Oui, comme je disais, mon cher inspecteur, Gabriel Magabi Magam est une maîtresse de maison remarquable. Oh, mais je n'ai remarquable. Et nous prenions un verre de porto. Mais c'est une très bonne idée. On va boire un coup. On va boire un coup. Allez, monsieur l'inspecteur. Il n'y a pas d'Ignace. Ignace? Il n'y a pas d'Ignace. Oui. Je vous présente... La nièce de la colonelle, oui. Ah ben, la vôtre aussi, je suppose. Ça se peut, oui. Et lui, c'est Serge. Ami. Bonjour, monsieur. Pardon. Permettez? Voilà. À la voix. Et les deux qui arrivent là-bas, ça, c'est le baron des Offrais et sa dame. Ah, ben il est encore là, celui-là. Vous allez bien? C'est comment ça va? Oui, mais dites-en, Marie-Mille, vite, qu'est-ce que ça veut dire? Tais-toi, chouchou, tais-toi. Vous savez, le motus. Oui, voilà. Passons à table. C'est ça. Venez-vous, chez moi. Monsieur l'inspecteur, pas ma chérie, là. Là, je vous en prie. Alors, en place, l'inspecteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, mon ami, eh bien. Voilà. Vous allez venir convenablement, n'est-ce pas? Soyez naturel. Oui, chérie. Vous dites Rien, pardon, je parlais à Gabriel. Oui, c'est ça, je parlais à Gabriel. Votre mari, madame, est un officier simple. Mm-hmm. C'est un homme qui comprend la vie et qui sait l'apprécier. Ah oh, oui, monsieur, et puis vous savez, pour la rigolade, il n'y en a pas deux comme moi. Et Gabi. Allons, chérie, voyons, allons. Chouchouille, tais-toi. Oh, oh. Vous souffrez, monsieur? Comment? Pardon? Oui, c'est... oh là là. Ben, je pense bien. Où je souffre? Dans l'asiatique. Ah, qu'est-ce que vous voulez? L'âge est là. L'âge, évidemment. Il faut faire très attention. On ne sait pas ce qui peut arriver. Pourquoi faire? Pour l'âge. Pour, oui. Non, ce qui est rare chez votre mari, madame, c'est sa jeunesse. Oui. Saint-Gallon. Ah. Pas une riz. Saint-Gallon, c'est rare.
Ça ne s'est même jamais vu. Eh, c'est la cure, monsieur l'inspecteur général. La cure. La cure. La cure. Oui, la cure. La cure. Oh, mais... Chouchou, il était toi. Et je n'ai rien dit. Le képi. Bon, la cure, ça. Le képi. Képi, la cure. Le képi. La cure, le képi. Le képi. La serviette. La serviette. La serviette, bon. Mais la serviette. C'est étrange, j'ai parfois des ballonnements. Oh, non, c'est toujours le même. Yes. Eh ben, mon garçon, qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme ça? Oui. Servez, voyons. Servez, voyons. Servez donc, voyons. Non, merci. Non, vous avez dit merci, c'est qu'elle ne veut pas. Nous, à vous l'emmener, papa, vous allez pas ici, voyons. Servez-nous, nous. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec les yeux en boule de billard ou... Oh, mon inspecteur, ces ordonnances sont impossibles. Vous savez, moi, colonel, vous avez pas de mal avec vos ordonnances. Oh, c'est... Ou alors, ils sont complètement idiots comme celui-là, ou alors... Non, ils sont pas malins. Oh, voilà. Ça n'existe pas, voilà. Monsieur l'inspecteur. Ah, c'est curieux. Je sens que je vais m'en envoyer une cuille. Vous ne préférez pas une aile ou le crupillon? Le crupillon? Voyons, 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 voyons. Servez, ami. Oui, tais-toi. Allons, voyons, 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 allons. Eh ben, tu l'as vu? Tu parles, et en colonel encore. Oh, n'est-ce pas que ça lui va bien? Ça va lui coûter cher. Pour l'idéal d'uniforme et de décoration militaire, il en a au moins pour 3 ans. 3 ans de quoi? De biribi, aller casser des cailloux dans le sable du désert. Eh ben, ça m'est égal, je les partagerai. Ça ira plus vite. Ah, madame est amoureuse. Parfaitement. Et vous, mademoiselle? Suivez-vous aussi la cure? Oh non, monsieur l'inspecteur, pas moi. Non, non, elle n'a pas le temps, monsieur l'inspecteur, mon général des effectifs. Parce que, vous comprenez, elle est amoureuse. Ah bon? Ne l'écoutez pas, monsieur l'inspecteur. Mon mari plaisante. Mais pas du tout, madame, c'est charmant et tout à fait de son âge. Et puisque nous en sommes au moment des confidences, je tiens à vous signaler, mon cher inspecteur, que ma nièce est fiancée. Mais qu'est-ce que vous dites, voyons, qu'est-ce que vous dites? Ma chère Gabi, vous êtes un peu sourde. Hein, j'ai compris. Ah, mademoiselle, je vous adresse mes félicitations. Mais monsieur l'inspecteur, je... Et peut-on savoir quel est l'heureux jeune homme? Mais vous l'avez en face de vous. Mon inspecteur général des effectifs de la générale. Voilà, c'est le jeune homme qui a manqué à avaler sa fourchette. Ah, tous mes compliments, monsieur. Merci, monsieur. Mes compliments, monsieur. Non, je ne dirais pas. Oui, non, je ne dirais pas. Mais certainement, monsieur l'inspecteur. Voyons, voyons. Il n'y a pas de voyons, voyons. C'est un chouchou. Mais je n'ai rien dit, voyons. Eh bien, c'est fini, cette réparation. Dépêche-toi, car je vais être en retard. Et la colonelle n'aime pas attendre. Allez, vite. Alors, mon cher inspecteur général des effectifs, on va vadrouiller un peu dans la région. Mais mon ami, vous savez bien que monsieur l'inspecteur a terminé son inspection. En effet, madame, et je le regrette, car Névreux est une ville charmante. Oh. Mais j'espère bientôt y revenir, ne serait-ce que pour le mariage. Pour le mariage? Oui. Oui, pour le mariage. Que c'était aimable. Quel mariage? Oh, dis-donc, madame, tout le plaisir sera pour moi. Non, mais pour les mariés aussi, vous savez, parce qu'eux, ils sont contents que vous êtes. Oh, catastrophe, pardon. Et maintenant, mon cher colonel, madame, je m'excuse, mais je dois reprendre la route. Ah, on est là, prenez-la. Ami. Oui. Eh bien, ami. Debout, là, madame, debout. Debout. Pardon. Alors, mon cher inspecteur général des effectifs, je crois qu'on vous a soigné. Oh, la nourriture était un peu là. Oh, délicieux. Ah, et alors l'accueil, on vous en... d'ailleurs, vous êtes très sympathique, alors c'est obligé. Et en revanche, je vous demanderai, ça ne vous dérange pas, de ramener dans votre voiture le baron des Offrais et madame qui descendent sur Paris. Je le ferai volontiers. Ai-je le droit de parler? Non, vous avez le droit de partir. Oh! Voilà. Un cigare, mon cher inspecteur. Ah, non, merci. Vous avez tort. Moi, j'adore les cigares. Vous fumez trop, hein? Non, vous fumez trop. Non, ma Gabi, je ne fume pas trop. Vous permettez, je vais avertir Philibert pour les bagages. Je vous en prie. Un cougar, mon cher. Allez, ami, allez. Et maintenant, madame, je crois savoir qu'à la suite de mon inspection, le colonel sera bientôt proposé pour les étoiles. Lui, général? Eh, pourquoi pas, tout mérite sa récompense. Il est si sympathique. Général. Annette, Philibert. Préparez les bagages. Le baron des Offrais et sa dame s'en vont. Allez. Hmm? Oh, bah ça alors? Hmm? Mais non. Oh. Allez. Oh. Mon cher inspecteur, votre voiture est avancée. Alors, pressons les bagages. Pressons. Au revoir, madame. Et encore une fois, allez, merci. Mais je vous en prie, monsieur le inspecteur. Tout le plaisir. Allez, madame. Montez, mon cher inspecteur. Montez, mon cher inspecteur. Je pars, mais je reviens. Oh, mais tu...
Oh, mais tu me fais mal, là. Voilà. Alors, monsieur l'inspecteur, bon voyage et attention aux arbres. À la bord. Allez, roulez. Oh, zut! Le colonel! Oh, ça va barder. Oh, catastrophe. Ah, te voilà enfin, toi. Oui. Et ben, je te retiens avec ta bicyclette. Oh, excuse-moi, ma chère amie, j'ai crevé. Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette voiture qui vient de partir? Cette voiture? Oui. Bien, c'est celle de l'inspecteur général, qui venait pour déjeuner avec toi. Oh, pas possible, et moi qui n'étais pas là. Mais naturellement, tu n'étais pas là. Et sans Ignace, eh bien, nous serions dans le joli drap. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait, cet animal-là? Mais il t'a remplacé, tout simplement. Ignace? Oui. Et avec ta veste de colonel, il t'a décroché des étoiles. Oh, allons, allons, tu plaisantes. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Non. Oh, Ignace, Ignace, dépêche-toi. Ah, dépêche-toi. Tout ça, c'est ta faute. Ce serait pas arrivé. Tu n'as pas mis la chance de porte-manteau. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Oh là là, je comprends. C'est ta faute. Mais mon ami, voilà exactement comment ça s'est passé. Oh. Sans ce garçon, Romuald, nous ne serions pas en général. Eh bien, attendez. Laissez-moi faire. Dis-moi, là, mon ami. Eh bien, j'en apprends de belles sur ton compte. Tu profites de mon absence pour usurper mes fonctions. Ah, oh, mon colonel, c'est la fatalité. Oui. Hein. Eh bien, elle va te coûter cher, la fatalité. Oui. Port illégal d'uniforme et de décoration militaire, il y en a au moins pour 30 ans. Mmh. Oh, catastrophe. Et d'abord, comment as-tu pris ma veste? C'est par erreur, mon colonel. Ah. Cette nuit, elle était accrochée dans la chambre d'Annette et qu'il a demandé pour la réparer. Ce matin. Oh, mais non, mais ça suffit, j'ai compris. Alors, cette nuit, tu étais dans la chambre d'Annette. Eh bien, ton compte est bon, mon gaillard. Ben, Romuald, qu'allez-vous faire? Moi? Oh, mais c'est bien simple. Je le condamne tout bonnement et tout simplement à perpétuité. Oh. À quoi? Oh. À la détention conjugale perpétuelle. Avec elle? Oui, mais oui, avec elle. En paix, brigadier. À vos ordres, mon général. Non plus. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Alors heureux, Ignace? Heureux, c'est la maison du bonheur.